Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un kit. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de celui qui s'appelle Nourrir l'amitié. Celui-ci est assez spécial. Vu qu'à l'achat d'un de ces kits, 3 euros sont reversés à une association qui œuvre à mettre un terme à l'insécurité alimentaire. Alors dans ce kit, vous avez un sac à repas isotherme, comme celui-ci. Il est tout mignon. On dirait une vanity, je trouve ça vraiment... C'est girly, quoi. J'adore. Qui est recouvert d'un tissu, ici, et floqué de ces jolies fleurs. Vraiment très très mignon. Avec, bien sûr, bah, notre logo. Et à l'intérieur, vous retrouvez, en fait, le kit à proprement parler. Qu'on va ouvrir ensemble, puisque vous voyez, le mien est vraiment... intact. Alors généralement, quand vous achetez un kit, tout, mais absolument tout ce que vous avez besoin pour faire les cartes sont dedans. Ici, il n'y a pas d'encreur ni de tampon. Donc forcément, il n'y aura pas de bloc acrylique avec. Alors, il est composé... Hop là. De mousse 3D. C'est marrant ce petit format. Deux bijoux. Ils sont ravissants, je trouve. D'enveloppe. Ah, ça c'est cool. Ah, ça c'est génial. Regardez. Il y a des couleurs différentes. C'est vraiment mignon. De base de cartes. Oh, je ne sais pas si j'arriverai à vous faire montrer. C'est embossé. C'est mignon. Il y en a trois de ce modèle-ci. Une planche. Ah, hello, d'accord. Est-ce qu'il y en a en français? Normalement, il y en a en français. Peut-être à l'arrière. Hello, guest. Pas sur celle-là, en tout cas. Un deuxième modèle de base de carte gaufrée. De même, il y en a trois. Ah si, ils sont là, les ceux en français. C'est cool. Bonjour. Ah, juste pour dire bonjour, ça c'est cool. Tu comptes plus que tu ne le crois. Quelle chance de te connaître. Et il y a trois planches. Ce qui est pas mal, c'est que vous avez une, deux, trois, quatre langues. Ce qui fait que vous pouvez... Très bien envoyé. Et le dernier, la dernière forme de base de carte,
Celui-là, il est vraiment joli. Tout mimi. Et pareil, là, vous en avez 3. Ce qui fait que vous pouvez faire 9 cartes. Là, une nouvelle planche, une seule? Non. 1, 2 et 3. 3 planches d'ornement. Ça, c'est cool. Et une dernière planche avec des étiquettes autocollants. Alors, si je résume, on a des étiquettes avec des messages, des ornements, des étiquettes sans messages, 9 bases de cartes, les enveloppes qui vont avec, des mousses 3D et des embellissements. Alors normalement, il faut que je prenne celui-ci, voilà. Ça c'était la base qu'on avait à l'intérieur. Et ça vous indique, voilà, le mode d'emploi pour faire les cartes. Voici le premier modèle, le deuxième et le troisième. Et là, ça vous dit quels éléments va avec quelle carte. Moi, je vais vous proposer d'en faire une de chaque. Bon, on va faire ça. Alors, ici, c'est la base. Ah, c'est cool, il y a même des... J'avais pas vu cela. Je viens juste de voir qu'il y avait des mini points de colle. Hop. Je viens juste de voir qu'il y avait des mini points de colle. Alors, il nous faut les mousses 3D, les ornements, le bonjour. Alors, il nous faut une comme ça. Hop. Les deux jaunes, pardon. Les deux petites bleues. Il me faut celui-ci également. C'était peut-être pas celui-ci. Non. Donc l'autre non plus. Ah ah. Donc c'est celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Effectivement. Sur cette planche-ci, il me faut... Et en plus, c'est de l'autocollant et c'est le premier qu'on met. Donc, allons-y gaiement. Bon. Si vous voulez, on va tout de suite le mettre à l'endroit, tant qu'à faire. Alors, comme ceci. Voilà. Après, qu'est-ce qu'ils nous disent ? De mettre le hello. Avec un mousse 3D. Un seul? Ah non, trois, pardon.
D'accord. Et après? Une grande. Y mettre une mousse 3D et deux points de colle. D'accord. Et de poser celui-ci au milieu. D'accord. Donc, et le reste est avec des points de colle. Bon, allons-y gaiement. On va mettre tous les points de colle. C'est marrant. Alors, le premier, il nous dit de le mettre, enfin la deuxième fleur, ici. Voilà. Que la fleur bleue, il faut la mettre juste au-dessus. Ok. Ah, il faut faire attention, on a mis les points de colle quand même. Après. On nous dit que celui-ci doit aller en dessous, ok. Qu'il faut reprendre la deuxième, j'ai dit la deuxième, celle-ci. Et la mettre juste au-dessus de celle-ci. Alors. Alors ça ici et le dernier élément qui est cette feuille là, c'est à mettre en dessous. Et il nous reste à mettre
nos petits ornements, nos bijoux. Alors, et il faut en mettre 5, un peu là où on veut apparemment. Voilà ce que le modèle donne. Je trouve que c'est mignon. Mais clairement, pour une personne comme moi qui adore réfléchir à quoi faire et à trouver le meilleur moyen, ce n'est pas forcément ce qu'on choisirait. J'ai voulu tester, effectivement. C'est vraiment mignon. Mais clairement, ce genre de cartes, de kits, c'est mignon, c'est mignon, mais clairement ce genre de kits sont totalement pour les débutants qui savent pas si ça va leur plaire ou non. C'est vrai que les cartes sont jolies, comme d'habitude la qualité chez Stampin' Up est vraiment là. L'avantage de celui-ci c'est qu'on a ce sac isotherme, ça c'est sûr, et on a de quoi s'amuser, il est vrai. Après, pour les personnes créatives, on peut totalement prendre les éléments et faire autre chose que ce que le guide nous indique, tout simplement. Dans tous les cas, si vous voulez vous amuser et faire une bonne action en même temps, ce kit, c'est pour vous. J'espère que cette présentation de produits vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssey Scrap. Bye !